On a passé une bonne journée, une bonne partie de la journée hier à juste ramasser la neige parce que les deux parcs où on s'installe étaient remplis de neige. On a une trentaine de 10 roues de neige qu'on a sorti des sites. On sait qu'on travaille en hiver, donc on est préparé. Aujourd'hui, il fait vraiment très froid. Donc, c'est sûr que ça nous ralentit un peu, mais on va être prêt, il n'y a pas de problème. La grande roue est prête à fonctionner. Est-ce qu'on va avoir des valeureux qui vont vouloir monter dedans? On va voir. Ben, du 27 au 31, ici, le parc Georges V est animé. Il va y avoir des braseros pour se réchauffer, des foyers un peu partout. Sur les terrasses de Grande Allée aussi, il y a des foyers. Ici, il y a une glissade, une tyrolienne, un espace chic-choc où on peut déguster des alcools québécois. On a notre espace Airstream là-bas où on sert chocolat chaud et guimauve sur le feu. La grande roue, le Super Shot. Deux scènes cette année. Une scène ici qui va être... les gens vont être dans le parc de la Francophonie. La scène est sur la rue Jacques-Parizeau, exclusivement pour la musique traditionnelle et la musique du temps des fêtes. Et à la place du Parlement, la scène avec nos invités DJ. Donc, c'est techno, techno, techno de 20h à 1h du matin. Évidemment, le décompte et le spectacle pyrotechnique à minuit. Ça finit à 1h. Il y a des bars partout. La zone est fermée, donc on ne peut pas entrer d'alcool sur le site, mais on peut en consommer sur le site. On a mis des bars partout, de la boisson à prix populaire. Comme l'an passé, ça s'était bien passé. On est à peu près certain que ça va bien se passer encore cette année et on attend des dizaines et des dizaines de milliers de personnes.